Allez, bonjour à toutes et à Pour tous, et adresser un ici c'est corps Landron pour puissante, le mais on n'a pas cinquième d'illusoire. épisode de mon Let's Play Nos sur mineurs le doivent jeu récupérer toutes les ressources Age dont of nous avons Empires 3 besoin complète là où ils collection. peuvent Et nous donc je vous aider. avais essayé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Gagner 15 000 points d'expérience. On ne peut pas entraîner de colons depuis notre centre-ville. Cependant, vos mineurs ainsi que les colons que vous envoyez de votre métropole peuvent rassembler des caisses de ressources que vous trouvez au volet. Ok. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se démerde avec ce qu'on a là. Ok, ceci est bon. Il faut faire 15 000 d'XP. Ok. On va voir comment on va se débrouiller, hein. Donc là, il récupère des trucs. On peut envoyer des mineurs bah, à la mine. Oh oh! Là, il y a de la bouffe. Là, il y en a aussi. C'est pas mal. Là, ça va. Ok. Donc, on y va avec ça. Il faut qu'on trouve de l'expérience. Donc, voilà, je On peut suppose qu'il y a des donner un lieu comptoirs. commercial d'un comptoir pour renforcer notre expérience. Allez, par contre, s'il nous tombe dessus. Holm a capturé les guerriers Sioux et leur chef de guerre. Voilà. Il faut les libérer et les ramener au village Sioux. Donc on a pas mal d'XP. Allez, charge. Voilà, c'est bon. On a pas mal d'XP qui arrive. Toc, toc. On est presque à 1 000. Sachant qu'un comptoir va bien nous aider. Il faut les libérer et les ramener au village Sioux. D'accord. Oula, là, il y a plein de caisses. On va les amener ici. Ça sort d'où les... Le paquet d'XP, là. Je sais pas. Alors attendez, parce que là, il y en a un tout seul qui se balade. On va s'en charger. Voilà. Il y en a un autre suite. Oula. On fasse vraiment gaffe. On va peut-être se casser. Surtout qu'il y en a plein qui arrivent Les ici. bandits du coin acheminent par ici des chariots de marchandises volées. Il faut les éliminer pour que nos mineurs récupèrent les ressources. Alors. J'aurai jamais assez de. Voilà, hop, on va récupérer des unités guerrières. C'est important. En plus, en fait, on a plein de chargements qui arrivent. C'est très cool. Alors, là, vous êtes plein. C'est cool. Qu'est-ce que je peux faire de vous maintenant? Là, ça récupère des ressources. On a vraiment un gros paquet. Tout ça, c'est à moi. Je peux les envoyer où? Je peux envoyer une partie à l'or. Une partie au bois. Il va falloir que je me fasse des unités. Parce qu'évidemment, on n'en aura jamais assez. Là, ça récupère des trucs. Gourdin de guerre, fusilier d'élite. Je peux pas faire autre chose. Cavalier à la hache. Cavalier archer. On va faire quelques cavaliers. Ça pourrait nous être utile. J'ai entendu des trucs de... des bruits de canon. J'ai entendu un gros boom dans le lointain. Ça sent la merde. Ah non, mais c'est eux. Si c'est eux. Tranquillou. Enfin, j'espère que c'est eux. Mais ça sentait. Ça faisait plus des bruits de canon. Bon, c'est peut-être eux. Hein. Ok, pas mal d'XP. Alors.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est en attendant les envoyer piocher. Et nous, on va essayer de s'occuper de trouver encore un peu de ressources. Là, il y en a pas mal. Il y a de quoi faire. On va recevoir des ressources. Comme ceci. On va passer par là. On a vu qu'il y avait un, comment ça s'appelle, un chariot avec de la bouffe qui se baladait. On va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs par là. Il y a un villageois. D'accord, mais non, là en fait on est sur le bord de la carte. Du coup, plutôt dans l'autre sens. Il y a des unités qui arrivent un peu partout. Ça va permettre de garder un petit œil sur le village. Je pourrais monter d'âge. Est-ce que c'est utile? Pas forcément. On va attendre un peu. On va économiser un peu, surtout que j'ai pas l'air d'avoir possibilité de produire de la nourriture. À part dans les fermes. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse une. Je vais peut-être libérer les villageois et faire une ferme. Ah! Chariot d'approvisionnement, c'est fait. Ah mais il reste un loup. Allez, tu me récupères ça. Les Sioux nous feront confiance quand on aura assez d'expérience. Ah, j'ai capturé un veau errant. Je suis tellement heureux. Allez. Ah, ils sont super forts. On va récupérer les deux villageois. Tu veux pas le récupérer? Ah si. Non? Si? Ah c'est bon. Ok. On va continuer d'avancer un peu. On a secouru deux colons. Tiens, récupérer de la bouffe. Nous on va continuer d'avancer un peu. Oula, par contre. On va faire gaffe. Genre beaucoup de monde. Voilà. Des pistoleros. Qu'est-ce qu'il y a dans ces. Détruisez le chariot de marchandises. On a besoin des ressources qu'ils transportent. Allez. C'est bon. Là, il y a plein de ressources, c'est cool. Ah! Chariot et des ressources. On va faire passer par là. Par contre, vous, essayez d'attaquer plutôt là. Récupérer des ressources. Toc, cassez-vous. Boum! Il fait pas long feu. Donc, ok, par contre, c'est quoi à moi? De l'or, plein d'or, c'est cool. En fait, on va tellement les empêcher de faire quoi que ce soit. Voilà. On va continuer d'avancer par là. Voilà, toc. Des unités. Je vais refaire quelques unités parce qu'à partir d'ici, il n'y en a plus assez. Je passe à l'âge suivant. Je devrais avoir suffisamment de ressources pour passer à l'âge suivant bientôt. Ça devrait aller. Hop. Là ça récupère des ressources. En fait si je me place ici, je peux tout défoncer. Ça me fera plein de ressources. Les tentes on va les détruire, ça fait quelques points d'XP en plus. Assez facilement. 115 à chaque fois. Je dis pas non. Voilà.
Toc, on est presque à la moitié. Il y a un truc en rouge. Ça doit être le bois. Alors. Voilà, ça. Ça empêche de passer. Ok, c'est bon. La nourriture récupérée. On va pouvoir récupérer les cajots de... Voilà. Là-bas, il y a des palissades. Qu'est-ce que je peux faire venir? Allez! Toc de l'or. On pourra récupérer l'or. Voilà. Ah mais on s'est attaqué par ici. Oh, ça va. Il se débrouille bien. Ah oui, on a retrouvé un... On a retrouvé un chef. Du coup, toi tu vas gentiment revenir ici rapidement. Voilà, tout ça, on va le faire amener ici. Peut-être qu'on passe à l'âge supérieur, on a tellement de trucs. Ça sert à rien de s'énerver, on va passer à l'âge supérieur. Voilà. Ok. Vous, je sais pas trop quoi faire de vous. On va attendre. On a passé la moitié, c'est cool. Je sais pas trop quoi demander, on va attendre de passer à l'âge suivant. Là, il y a des murs. Ah, là, je vais avoir besoin de... d'engins de siège. On va tous les faire rentrer. Vous savez quoi? On va tous les faire rentrer. Vous y compris. Où est le chef? Il est là. On va le faire amener. Il y a des hors-la-loi qui se terrent dans cette colline. Les sioux nous seront reconnaissants de les en débarrasser. Ok. Ah mais il y a plein de ressources là. Toc. Elle va me chercher ses ressources. Il faut peut-être que je les amène là. Non. Peut-être. C'est pas toi que je suis censé ramener ? Pour chaque dernier sioux ramené à la zone indiquée. C'est ça la zone indiquée, non? Du coup, il doit y avoir des guerriers sioux dans la troupe. Je sais pas s'ils sont morts. Je sais pas du tout. Du coup, à quoi il me sert, lui? Un chef sioux que j'ai récupéré. Je sais pas à quoi il peut bien me servir. Bon, ok. Tout ça, maintenant qu'on a... On a tout, on va pouvoir faire des... Des engins de siège. Toujours aussi dur à dire. On va améliorer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Baraquement robuste. Ça, on s'en fiche. Toc, on va faire venir plein d'unités, c'est cool. Détruisez-moi ça. Par contre, je sais pas pourquoi ils arrivent pas à le faire descendre, alors que les explosifs c'est censé faire bobo. Je sais pas. Ok, donc là je pense qu'on a suffisamment d'unités pour tout casser. Faire une ferme, tiens.
On a clairement suffisamment d'unités pour tout casser. On va pouvoir y aller. Ça va être drôle. Allez, c'est parti. Et 50 petites unités. On va pouvoir leur rouler dessus. Vous avez pensé qu'il faudrait peut-être que j'améliore ça. Est-ce que je vais arriver à l'avoir avant qu'il se barre? Allez! Non, j'aurai jamais. Je l'aurai jamais. Pas grave. On va tout ramener par ici. Et on va se débrouiller. De toute façon, on devrait arriver assez facilement. Il nous reste 5500 d'XP à récupérer. Voilà, je pense que ça devrait aller. C'était un petit peu débile ce que j'ai fait. Maintenant, vous revenez ici. Revenez là. Faut que je resépare tout ça. C'est bon. Ah mais j'ai un tramway qui traîne. Reviens là. Toi tu reviens là. Et tu vas compléter l'équipe. Passer en mode mobile. On va les faire venir directement à côté du fort, voilà. Et vous, vous allez ici. L'avant-poste qui va tomber. Voilà, ça y est, on a dépassé les 10 000. On va défoncer le mur comme ça, voilà, ça sera fait. Ok, là il faut quand même qu'on les empêche de tout nous tuer. Toc. On peut passer. Maintenant, il faudrait détruire la caserne. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh la vache. Ils ont pas fait long feu. Voilà, ça y est. On va pouvoir avancer. Boum. Il semble qu'on ait trouvé le corps. Alors, vous êtes pas obligé d'être aussi lent quand même. Que comment ils ont cassé le mur là? C'était bizarre. J'ai pas tout compris. Allez, on va détruire ça. Alors, détruisez-moi ça plutôt. Voilà, on va détruire le bâtiment, l'avant-poste. Mais oui, je sais qu'ils sont attaqués, mais oh, c'est bon, arrêtez. Toc. Tout détruire. Je suis pas obligé d'être aussi lent. Mais c'est pas vous que je vais taper. Ah. Voilà. Hop.
problème ici. C'est débile. C'est pas grave. C'est pas grave. Tiens, faudrait que j'améliore ça. Pas dispo avant H4. Eh ben. Il en reste un. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'aura même pas assez d'expérience avec ce fort, j'ai l'impression. Avec toute cette zone. Oh, tous les villageois qui sont en train d'exploser. Tuer les femmes et les enfants. Oui. C'est la joie. C'est la joie. Oui, parce que quand on y pense, c'est quand même ultra violent ce genre de jeu. Violence banalisée comme ça. On a détruit le centre-ville du shérif Holm, mais il nous faut encore gagner la confiance des Sioux pour que notre but soit atteint. D'accord. Là, c'est bon, avec tout ce qu'on défonce, on va y arriver. On détruit plus de bâtiments qu'autre chose. Avec tout ce qu'on a reçu en plus comme unité. C'est complètement taré. On devrait pouvoir y arriver. Tac. Les unités qui arrivent. Travaux, je sais pas trop quoi en faire. Bon, effectivement, on n'a pas assez de nourriture pour passer à la suivante. Quand même fait plein de trucs. Toc, on pourrait défoncer ça. Encore un petit bout d'XP. Parce que là, on arrive vraiment tout au bout. On arrive à la limite. Toc, passer en mode mobile. Il nous manque, allez, 1000 d'XP. Un poil plus de 1000. Ça devrait pouvoir se faire. Ça y est. À force de faire des unités, en fait, ça passe bien. On va quand même descendre. Voir si on peut pas se faire un peu d'XP facile. Dans les collines. Il manque plus grand chose. Voilà. Autant y aller. Allez. Boum. C'est bon. Ça c'est ok. Ah ah. Voilà. Reste 500 d'XP. Encore moins. On a libéré des guerriers Sioux. Maintenant, il faut les ramener à l'endroit indiqué dans le village Sioux. D'accord. Ok, bon, bah, je pense que ça va être eux qui vont me faire ma dernière. Mes derniers paquets d'XP. Un camp dehors la loi. Débarrassez-vous d'eux et on pourra prendre leurs ressources. J'ai l'impression de pas avoir fait la mission dans l'ordre, mais c'est pas grave. Vous avez gagné mon respect, Chaiton Black. Ça y est! Il y a des grottes au nord et à l'ouest du village. Vos ennemis s'y cachent peut-être. Nous allons vous montrer le chemin. Les Sioux seront à vos côtés. Holm est rusé. Devons-nous en méfier. Oula. Quoi? D'accord, faut revenir ici. Nous avons révélé l'entrée secrète des grottes. D'ailleurs, passer en mode mobile. Se cache quelque part à l'intérieur. D'accord, on va prendre tout ça. Et on va y aller. On va rentrer avec tout ça. Je prends au pif un gros paquet d'unités. Allez, démerdez-vous pour passer. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ces grottes. Je suis patient, petit, mais j'ai pas trop ton attitude. Oh.
Ok. On avance. Je pensais que tu valais mieux que ça, petit. On leur roule tellement dessus. Wow, des Gatling. Sa vie vous appartient. Tu es fait, Holm. Tu ne t'échapperas pas. Ok, d'accord, on a gagné. Oh, bah c'est pas si dur en fait. Farmer de l'XP, c'est pas très très compliqué. Dernière bataille. Dis-moi pourquoi, Billy. Tu le sais. Tu as vu les mines. C'était la chance de ma vie. Je serais devenu riche. Ces terres appartiennent aux Sioux. Si elles avaient été aux colons, tu les aurais tués eux aussi? Leur sang est de la même couleur. C'est l'or qui compte, petit. Seulement l'or. Tu me suis sans discuter. Rien de ce que je dirais n'empêchera Custer de massacrer tes amis Sioux. Tu dois quand même essayer. Non, petit. Non, je ne dois rien. J'adore comment elle se barre en mode « Wesh, c'est pas grave, m'en fous. » Un de mes plus vieux potes vient de tomber et d'exploser, je m'en fous. Deux nouvelles cartes disponibles, mais en fait, moi j'ai rien à prendre. Ah, lâche 3, ça c'est pas de bien. Mais sinon, ouais, j'ai pas grand chose à prendre. Toute l'artillerie s'entraîne plus vite. Non, mais j'ai quasiment rien à prendre. Si, allez, à la limite, je peux virer ça et mettre les 1200. Hein. Toujours un petit paquet d'XP. Holm est mort, mais Custer est en route. La guerre est-elle inévitable? Ah bah Custer, vu comment il est raciste ce mec, oui peut-être. Un choix ultime. Major, poursuivez les Indiens et affrontez-les. Battez-vous et nous viendrons en grand renfort. Général Custer, chef. Où est le shérif Holm, Black? Holm est mort. Alors Ansel, ça va être un jeu d'enfant. Général, acceptez au moins de rencontrer Sitting Bull et Crazy Horse. L'heure n'est plus aux négociations, monsieur Black. Les Indiens sont prêts à se battre, et moi aussi. Êtes-vous blanc ou indien? Choisissez votre camp dès maintenant. C'est vrai, je n'ai pas le choix. Au revoir, mon général. Mais t'aurais dû tirer une balle dans la tête. Ah, Custer, sachant qu'il a foutu vraiment la merde un peu partout, ce mec. Intéressez-vous à ce personnage, c'est assez effrayant des fois. Oui, parce que c'est un personnage historique, le général Custer. Un autre camp. Custer ne va jamais le croire. Rassemblez les chefs de guerre. Je reviendrai. Les camps Cheyennes ne doivent pas être loin. Oui, d'accord, mais ça, on le fera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. À venir en discuter avec moi sur Twitter. Et puis voilà, je vous dis à dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.